Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brotato, on est toujours en coop avec Chobiti. Salut Chobiti. Coucou la scène, coucou tout le monde. Chobiti qui était en train de faire une syncope devant mes statistiques là. C'est vrai que le build a vraiment très très bien marché, hein. Les 342% de dégâts, 360 de malédiction, 400 de chance. Non mais 220 PV quoi, enfin c'est quoi ce... T'es prête? Bah oui. De toute façon, moi je fais de la figuration en fait. Ah bah non, tu gères ton côté. Non, voilà, je fais de la figuration. J'avoue que tu t'es fait one shot, j'ai l'impression. Je crois que j'ai pas eu le temps de récupérer suffisamment de consommables pour compenser mon fantôme. 40. Forcément, un moment où je vais être en danger. Hein. Le jeu, il est fait pour. Hein. Bah, c'est clair que là, on serait en danger un peu plus que zéro. Ça serait tout aussi worth it, je pense. Mais c'est cool de voir que on peut réussir des builds, à trouver des builds qui sont toujours rigolos et qui marchent bien et tout. Quoi. 10. En fait, là, c'est plus que ça lag. Bah ouais, on commence à arriver un peu sur les limites aussi. Je pense que en coop, mine de rien, ça consomme plus. Hein. Fait deux persos, il faut calculer tout ce qui lui arrive. Le caisse de loup pour le coup, non. Ça, mais bon. Maudit. On prend l'eau bouillante maudite, non. Le hérisson maudit. Pourquoi pas. Là, on esquive beaucoup, donc on va quand même le prendre. La mécanique, on va essayer de la prendre du coup. Non, mon fantôme, je le verrouille. Mais... beaucoup ton fantôme. Hein. Il y a combien de choses critiques là? 80 seulement? Ouais, bon, je vais le faire. En armure. Combien d'armure hein. Ça fait combien de réduction? 68% de dégâts. Ça aide aussi, hein, je pense. Ah, c'est comment? Il y a un boss tous les 10 hein. Normalement, il devrait y en avoir un, ouais, là. Avec 30, il y en aura un, je pense. Ah, je me suis fait piétiner! Ouais, t'avais 42 de PV et tu les as perdus direct, quoi. Regardez cette fois. C'est-à-dire que les ennemis commencent à faire vraiment beaucoup de dégâts. Il faudrait que tu maxes ton armure, je pense. Tu commences à viser l'armure. Commence à m'avancer dans les grosses vagues de monstres. Ça lag, hein. Ah, de l'armure. Ouh, ça va être violent, la cyberballe, là. Alors, on esquive, je suis au max. On va prendre un peu de dégâts. Bon, je vais pas prendre le fantôme, en fait. Les lunettes de nuit. 27% de chance de critique et 97 de portée pour seulement un PV max et un armure en moins. Ah ouais. Voilà. Voilà, je vais prendre ça. La torture. Hein. Ça c'est risqué. Hein. Ah oui, non. Après, ça peut éviter de. Ça peut te permettre de remplacer la fée, quoi. Mais 5 de PV par seconde. Bah attends, aujourd'hui j'ai. Ouais, 6,69 de PV par seconde, quoi. Et ça suffit pas. Donc c'est complètement con de prendre ça. Bah ouais. Ça c'est pas mal par contre, je pense. On va essayer de trouver une petite tyrole médicale maudite, on va voir. Bah le ver extraterrestre, vu que tu viens de prendre le truc qui t'en rajoute deux, franchement ça se prend. Hein. 3 PV, c'est ce que te donne un fantôme bizarre. Hein. Allez, vague 30. Ah, il y en a deux.
Enfin, moi c'est voilà, ce qu'il y en a plus. Oh putain. On va pas mourir. Dis-moi un jardin. Dis-moi de la santé. C'est pour elle. Tout ce que tu veux, ma vie. Là, faut vraiment que tu vises les PV et l'armure. Putain, par contre, les caisses. Hein. Ah, je suis morte. J'ai voulu regarder les caisses. Il y a des tentacules qui se baladent. Ouais, il y a des tentacules, ouais. Bon, bah, je vais prendre le feu grec. Ce sont des bouts de malédiction. Oui, on prend. Oh, ouais. Petit pingouin pour ma petite fée. Elle va être contente, ma petite fée. Pingouin, ça peut être pas mal. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu ramasses les... Les trucs qui traînent quoi. J'ai 41 en ingénierie. Ah bah oui, non mais prenons les tourelles en fait. Bah oui, là on a commencé à jouer tourelles là, clairement. Vise armure et vie. Consommable. Esquive. Moryu! Et 40. Je te vengerai. Ouais, ton build il fait tout. Hein. Ouais, non, j'avoue, là, il est vraiment pété. Hein. La peau melon, ça. Ça fait tout. Bah, j'avoue que je crois que j'ai même pas une arme rouge en plus, donc ça aide pas. Hein. 10. L'avantage c'est que les matériaux que je ramasse, tu les gagnes aussi, comme ça au moins. Oui, bah oui, on sait pas mieux chacun pour soi. Une bonne devise maudite. Donc des PV, hein. Ouais. On va prendre parce que ça se compense avec. Oh, une langue extraterrestre, enfin! Enfin! 100% de santé des ennemis pendant la prochaine vague, on prend? Bah, de toute façon, c'est toi qui fais tout alors. Le mammouth. Allez, vendu. Chat. Ah, doucement, crie pas trop, tu fais peur Hermès. Oui, parce que chat, il sait ce que c'est. Je vais t'aider pour le couple. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Non, hein, tu vises les PV. Non. Oui, tu peux prendre les canards, je pense. Les trois autres, même, sont pas mal. L'acier renforcé, ça fait quoi? Ouais, même lui, il est pas mal, hein. Là, ton lanceur nucléaire, il prend un peu la distance, quand même. C'est vrai qu'il faudrait que tu arrives à améliorer tes armes et ça tombe pas quoi. Ouais, 89 de dégâts d'un coup tu t'es pris quoi. J'ai pris une tourelle médicale, si tu veux essayer d'approuver de te poser autour.
Elle est maudite normalement, donc très efficace. Ouais, mais t'as vu, j'ai déjà plus de 6... de régène par PV, c'est pas... Oui, c'est vrai. C'est pas une question de... C'est des one-shots qui te font mal, quoi. C'est ça. C'est plus de l'esquive et de l'armure qu'il faut, en fait. Mmh. Un petit fantôme bizarre, c'est risqué. Hein. Si je meurs, je pense que c'est fini. Allez, on prend quand même pour le fun. Ouais, ça, bon. Ça booste pas ma vie. Non. C'est pas si mal, c'est toi qui vois, mais moi je le prendrais, moi. Wow, 4400, mais ouais, en fait, Aminou, moi, vu que je verrouille les objets pour essayer de les maudire grâce à mes objets de type hameçon, là, bah, au final, j'achète pas tant, mais du coup, si j'arrive à les maudire, ils sont hyper, hyper forts, quoi. J'attends que Choubiti ait bu. Agliglou. Ah, je suis morte. Ouais, non, moi je tiens pas. Hein. Mais je suis en train de me dire que tu vois, j'ai pris le fantôme bizarre alors que j'ai le truc qui faisait un dégât par seconde, quoi. C'était quand même risqué. Telle tête tentacule, venez mourir. Honte. Quoi ? Il y en a des épées là. On veut bien le mur, ouais. Ouais, Minou, typiquement, la dynamite, c'est 15% de dégâts d'explosion, et quand elle est maudite, c'est 24%. Donc tous les objets comme ça, qui deviennent petit à petit vraiment très très puissants... Il donne moins tant d'armure. Pas le coup, c'est l'ingénierie qu'il me faudrait. Pour l'incendie maudite. Je veux des armes, je veux pas mourir en 5 secondes. Ouais. Oui. Essaye d'éviter les ennemis. Entre-toi sur ça plutôt que sur les tuer. Reste autour des tourelles. Voilà. Restez autour des tourelles. Ah, qu'est-ce qui t'a tué alors? Un ennemi. Ah ça alors. Un ennemi t'a tué. Mon dieu. Mais oui, tu vois, moi, enfin, genre, je me prends une boule, ça me fait un dégât, quoi. Ouais. Toi, tu prends 89, quoi. Je pense que l'enclume est vraiment hyper forte. Ah, c'est tard, mais je vais le prendre parce que c'est gratuit. Bah voilà, un PV max toutes les 1 armure permanent que vous avez, 50 PV en plus. C'est parti. Vendu. Mmh.
On va voir quelque chose de mieux, là. Les PV... Pas de l'armure, mais... J'ai tellement pas généré de thunes. Oh, des skills. Critique inflige 16% des points de vie actuels d'un ennemi de dégâts bonus. Ok. Faire un x2 sur un truc maudit. Prochain tour. Life. Des armes qui veulent pas tomber quoi. Comment quand tu fais pas de dégâts bah... Allez t'es full life là, si tu ramasses des trucs ça se proque le pingouin. Oui bah j'ai fait 140 dégâts d'un coup. Ah ouais c'est bien ce qui me semblait ouais. T'avais 178 PV, puis d'un coup t'étais morte. Ouais, l'esquive c'est bien. Couillage, il fait quoi? Alors, qu'est-ce qu'on prend? La riposte, deux ripostes maudites. Le destructeur! Ah oui, le destructeur, il fait plaisir, quoi. Légendaire. Bon, il te le faut. Ouais, je peux le faire. Par contre, voilà. C'est de la thune. Mais j'avoue, je peux même pas prendre la chauve-souris. Qui me donnerait un petit boost de. De fée. Combien avec ma régène? 80. Pas mal 80. Mais ouais, une petite arme rouge là, en plus destructeur là. On faut en prendre qu'un, sinon ça défonce tes PV. Tu continues à nettoyer la carte ouais, comme si de rien n'était. J'essaie de ramasser un maximum de matériaux pour puisser voir l'objet, mais ça me semble tendu. On les sent les moins 50% là de matériaux qui tombent. Dans les grosses vagues d'ennemis là. Ouais, on va l'avoir ce tour-ci, mais. C'est fantastique. Non mais je veux pas un d'armure. Je peux avoir un peu plus que un d'armure. Bah il me donne une tirelire alors que ça arrête de fonctionner la vague 20. Bon il y a les 3 malédictions à prendre. 5 d'armure, c'est bien 5 d'armure. Tirage de niveau de merde. Ah, 5 dégâts à distance, ça c'est bien. Alors, le diplôme maudit. Bah, va falloir économiser. Hein. Ça te donne de la régène, donc pourquoi pas. Ça. Boiteau. Voilà, si je continue à économiser 200 par vague. Dans 9 vagues, j'ai assez. Une petite patate. Oh, patate. 1079 de dégâts, il fait 25% de la chance. Attends, mais
Non, mais t'as 400 de chance. Oui, c'est 25 fois. Ah non, t'as 646 de chance. Arrête, tu fais sur Hermès à crier comme ça. Ah oui, en fait, moi je fais de la figuration. Oh, t'as un lanceur nucléaire quand même. Oui, mais je suis censé être au corps à corps et j'arrive même pas à flirter avec les ennemis sans qu'ils me tuent. Je vais essayer, Aminou. J'ai mouru. Oui, je crois que tu t'es pris des tirs. Je vois pas ce que d'autre, parce que de toute façon, j'empêchais tout le monde de t'approcher. Bon, on va ramasser du matériau. Ah, désolé, Aminou, j'aurais essayé. Hein. Si ça te fait des sous, hein. Oh ouais, une langue extraterrestre. C'est long. Je me fais bien de... 90. Viré, hein. Donne-moi ce tirage de merde avec un poisson rouge, quoi. C'est nul. C'est nul, sérieux. Ah. J'arrive pas à dire. Le ruban adhésif, il va me donner de l'armure, mais il m'a fait des PV. Bah t'en as combien d'armure, là? 21. Ça te diminue de combien? Les PV, pour le moment, c'est pas un PV qui va changer grand-chose. Ah, si tu passes à 60% de dégâts en moins, déjà, ça te fera plaisir. Par contre, t'achètes rien d'autre, faut que t'économises. Ton porte-bonheur, il fait quoi? Bon là, on aura peut-être plus de caisses, mais... Je crois que c'est parce que c'est gratuit. Ah, saucisse. Ouais, ça c'est cool. Mais dans un coin, Chobiti et Signe, protège-la de ton corps. On peut essayer. C'est 200 par vague, du coup. Je peux être dans un coin et je peux te protéger. Ça changera pas que si c'est un tir qui touche... Non, mais on peut, je pense que ça arrive sur la limite physique de mon build et de mes capacités. Je veux dire, je vois que c'est mon bonhomme, mais j'arrive à rien anticiper. Ça clignote, en fait. Là, tu t'es pris un tir, ça t'a fait 154 PV. Bah oui, je l'ai vu venir en plus, mais juste, j'arrive plus à... Ça se trouboscopique dans le cerveau. Ouais, il y a un moment, effectivement, où... Alors je tourne en rond, ça marche à peu près. Hein. Je m'éloigne pour ramasser un peu. Ah bah j'ai perdu 200 PV d'un coup. Ah ouais la vache, là ça devient chaud. On passe à 10 FPS quoi. Je sais pas comment tu fais pour survivre. Bah entre deux lags, j'essaye de choper, de repérer les endroits où il y a des objets et j'y vais. Ah, 53 portées d'attraction, je vais l'avoir, voilà. Ça c'est cool. Dégâts à distance, on prend. Ah! On va voir quelque chose de mieux. Bah, relance pas ça, c'est dommage. Merci. Prends la chance ou la vitesse d'attaque, mais... Les dégâts, hein, sinon les dégâts, t'es à 285% quand même. Ça ouais, hein. Ou la portée. La portée, ça peut être pas mal aussi. Hein. Éviter de t'approcher trop des ennemis. C'est combien en dégâts? Ouais, la portée. Par rapport à ce que j'ai, c'est peut-être ce qui va... Ah mais c'est chiant, à chaque fois j'ai envie de tout prendre. La feuille magique de Gring. Prends rien. Oh, comment c'est joli. Je prends rien, mais c'est pas pour autant que ça me plaît. Hein.
Je pense aussi qu'il faut une capacité d'abstraction que moi je n'ai pas. Moi je suis focus sur mon perso. Et je sais que toi tu as une capacité à plus être capable de voir les mouvements dans la globalité. Ouais, moi je sais que je sais où est mon perso, donc je me permets de regarder à côté quoi. Alors que moi je sais pas où est mon perso, je le perds et il meurt. On a réussi quand même avec la vague 40 à avoir nos 100% d'attraction. C'était l'objectif du run. C'était pour avoir notre nouveau perso. Ça, on a débloqué tout le monde. Allez, il reste 10 secondes, faut que je ramasse. Ah, beaucoup trop. Sauvez-vous. Ah 1300, je suis même pas sûr que ça suffise. Peut-être si tu recycles des trucs. Non, c'était 1800, je crois. La régène de PV, oui, je la prends. Ah, c'est pas... la vitesse d'attaque, c'est pas mal, hein. Je suis pas dans le vol de vie. Non, je voudrais de l'armure. Non, 1800, c'est pas assez. Et presque. Donc je prenne rien encore. Avec 40. Je vais prendre le foulard. D'où est Nami? Tu peux pas me le filer, le lanceur nucléaire? Je vais avoir un rouge aussi. Ah! J'ai mouru! Trois boss. Voilà. C'est fait déjà. Non, il en reste un. Il est où? Parce qu'il est l'enfoiré. Il est où là? Qui c'est qui me met des cercles comme ça autour de la tronche? À droite. Droite. Ah, il était à droite. On a trop qu'il bouge. Il est à gauche. Aïe. Voilà. 4 boss quoi. Sérieusement. On va à ma vie. Il fallait combien t'as dit? 1900? 1800 et des patates. Il y a pas mal de matériaux là. Oui, bah de toute façon, si je recycle un truc. Je crois que tu recycles une arme. GG! cette attaque. Oui, on prend. Encore une feuille, Mago. Ah, de l'armure, oui. Un appât, non. Un manteau, non. Les PV, quand même. Alors, ma fée, là. Vous m'a fait combien, ma fée? Et vous m'a fait. Pas. Pour le côté. Ouais. Là, je l'ai. Ah oui. Oh, ça va. Oui, ça va. Ça se scale doucement. Et j'ai combien de chances du coup? 20 de chance. Ça se... Franchement, la potion d'eau, je pense que c'est un objet qui se prend tout le temps. Quoi. Whirl. Dans le vénérie. Ouais. Ouais, je peux prendre mon destructeur. Bah du coup je vais peut-être virer la petite bébé bouche. Ah ouais, tes dégâts ils vraiment très mauvais quoi. Bah de toute façon je me rends 10 minutes alors. Oui c'est vrai que t'es mort vite ouais. Je pense que c'est plutôt la boule de feu qui fait. Après elle est à distance mais... Tu vois genre celle-là elle a rien fait du tout. Bah t'as même pas eu le temps de taper un ennemi quoi. C'est vrai que celle-là à distance t'as dû lancer au moins une boule de feu et après t'es morte quoi. Oui bon, on va articler celle-là. Le randomisé. Ouais. Ouais, même mes finances commencent à être justes. Hein. Mais tu pues assez d'ennemis. Tu as tué des gens. Bah ouais, c'est ça qui te manquait aussi. Hein.
fait rien et il y a moins à esquiver quand on arrive à nettoyer les ennemis. Oh, je suis mort quand même. 30 secondes. Je sais pas du tout s'il y a une vague maximum. Bah c'est sans fin hein. Merci Minou. Dans sans fin il y a... Dans sans fin il y a sans fin. Ce qui est cool c'est que ton XP continue de monter aussi. Ah c'est partagé. Poisson. 10 d'armure et 20% d'esquive. On prend le petit cri. Oh, c'est la première fois qu'il me pique un PV le sac de dés. Ah, bah écoute. Il est où le sac de dés? Ouais, c'est pas mal. Allez, faut me couvrir cette map de toile. Plus, plus, plus. Ah, j'ai mouru. Putain! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais je sais pas! Peut-être qu'on s'arrête et qu'on lance une partie. Ou tu veux qu'on continue de voir jusqu'où on peut aller? Bah j'aimerais voir jusqu'où on peut aller, quand même. Je suis sûr que les viewers ils veulent voir jusqu'où on peut aller. Ça me va. Même si moi je passe mon temps à crever. Il va bien y avoir un moment où je vais avoir des objets qui vont me permettre de... d'être plus forte. Ah disons que là les 50% de matériaux en moins, mal aux fesses. Encore, moi j'arrive à compenser parce que j'ai les sacs là qui font que je fais plus de matériaux quand je ramasse des caisses. Mais... Gâteau! Mmh. Esquive. T'es peut-être pas capé en esquive? Non, c'est en vitesse que je suis capé. Bah, ça sera 30% d'esquive, ça peut se prendre, hein? Bah ouais. Contre moins 3 de régène. Ouais, contre moins 3 de régène. Bah, par contre, c'est de la thune, ça. Ouais. Whirl! Bah, allez, voilà tes 4 de régène. Whirl! J'ai plus de thune! Ouais, moi aussi. Hein. J'ai pris une tourelle. Ah ouais, ça c'est cool. Allez, chauffe-eau. Gratuite. Cher en position gratuite. Ça vaut pas le coup. Ouais, tu commences à résister aux coups, hein. On voit que tes PV descendent et remontent assez vite. Donc, ça veut dire que t'es capable de prendre des coups sans mourir. Ah, y a un chargeur qui m'a foncé dedans. J'ai tenu 10 secondes de plus. Pas mal. Où sont les matériaux là? Dans le ventre des ennemis. Donnez-moi vos matériaux. Après c'est vrai qu'en plus quasiment tous ils sont maudits maintenant. Ouais ouais ouais. Coco pop. Ça y est, il commence à entamer ma vie hein. Ouais. T'en mets tes 426 PV. Ouais mais bon tu vois il met 1000 life hein. Ah oui je vois bien hein.
Est-ce qu'on peut désactiver un peu de... De trucs. Barre de PV sur le personnage, barre de PV sur les boss. Retenter les vagues échouées. Ouais, non, il n'y a pas vraiment de... De... Enlever les... De trucs graphisme. Enlever ça déjà. Les effets un peu déficés, afficher, virer les dégâts. Limiter le FPS aussi, ça peut-être aider un peu. Pourquoi on n'a pas les vieilles musiques ou plus ? Parce que c'est marqué. C'était les musiques qui faisaient du strike. Ah. C'est comme ça, on va voir si ça lag un peu moins. Dégâts à distance. Oui. Ouf. Ouh, les dégâts des armes sont également affectés par 38% d'ingénierie, ça c'est bon ça. Quoi actuellement, genre la mitrailleuse a fait 1273 de dégâts, putain. Ah oui, je m'y attendais pas. Et si je rajoute ça, 3642, 38% d'ingénierie, 35% de la malédiction. Ouais, 35% de la malédiction, ça fait plaisir. Cette arme a infligé 7 millions, je sais pas combien de dégâts pendant la dernière vague. Attends, on va regarder celle-là. 12 millions pour le minigun, 21 millions pour le lance-roquette. On veut ma mort. Alors, oh bah voilà, ça c'est bon, une petite tourelle explosive, un œil de Traken. Vous avez 50% de chance d'exploser et d'infliger 35 000% de dégâts lorsque vous êtes touché. Lorsque vous êtes touché, quoi. C'est vraiment abusé. Oh la vache. Est-ce que je prends un tromblon? Vol de vie. Pareil. Mais du coup, ça permet de voir les objets rouges qu'on voit quasi jamais. Hein. Ouais. Le blé, non. Non, le tromblon, non. La bougie. Ouais, la bougie, on peut prendre un peu moins d'ennemis, ça fera pas de mal. L'esquive, je suis déjà capé. Il est pas encore assez fort, mon bonhomme. Non. Il résiste, mais... Ah, et puis mine de rien, il commence à me faire des dégâts. Il y a un moment là où... Je peux pas esquiver les tirs et tout. Il y a trop de trucs sur ma map, donc... Il y a un moment où je vais mourir, je pense. Même avec les effets en moins, c'est la violence, quoi. Enfin, je vais essayer de... Comment c'était enlever les effets visuels. Ah ouais, c'est ça, ça agit peut-être pas en plus en temps réel. Hein. Plus rien. Ah oh, putain. De l'esquive. Alors l'œil de Kraken, 60 000 de dégâts quand on est touché. J'ai même pas les sous. Mais moi plus, j'ai rien là. Je peux rien prendre. Je peux même pas prendre les petits yeux quoi. Ouais, ça commence à être compliqué même là les sous. Les objets sont hyper chers. Moi, je veux prendre la potion de régénération. Ah, j'ai mouru. J'ai essayé de ramasser un max de matériaux, écoute. Hein. Je crois que cet épisode, c'est l'histoire sans fin de Chocho qui meurt au début de la vague et de Le Cygne qui survit jusqu'à la fin. Je l'appellerais plutôt un truc genre on atteint les 100% de... d'attraction. Ça descend la vie là. Ou plutôt, attention les yeux, effet stroboscopique. Ah
Partie gagnée. Bah oui, parce qu'on a fait la vague 20. Techniquement, on a gagné. Waouh. La violence, quoi. Bah, vague 45, quand même. Hein. Ouais, GG. Et du coup, on a débloqué le boucanier. Les matériaux récupérés ont 100% de valeur. Ramasser un matériau réinitialise le temps de recharge de toutes vos armes. Ah, il est sympa. Il est sympa, il est sympa. Alors, regardons les stats pour rigoler un peu. 650% de... 650 de malédiction, 400 études de PV... Ouais, ouais. Moi, j'ai des stats ridicules par rapport à toi, quoi. Ah bah, ouais, ouais. Bah, en plus, j'ai eu le... J'ai eu assez tôt la bernacle, là, qui fait que... Que tous mes... J'avais 35% de statistiques en plus, je crois, un truc du genre. Je sais pas où elle est. Là, si tu lèves au début, elle doit être au début, mais... Tellement d'objets. Tellement d'objets maudits surtout. Et là, j'ai eu la chance d'avoir des harpons aussi assez vite. Des hameçons. Des hameçons, pardon. Oui. Des hameçons assez vite. Alors, d'habitude, j'en ai jamais avec ce perso. Les cartes au trésor qu'on fait carrément plaisant. 4 cartes au trésor à 20% de chance de trouver un objet. Petit objet trouvé supplémentaire. Ouais. Ah ouais, non, mais ça s'est bien passé, c'est pareil, hein, là, 8000 matériaux, mine de rien, avec les sacs, quoi. Bah ouais. Là, non, y a pas de stats avec ça. Tiens, elle est là, la bernac. 46 niveaux où j'ai eu 35% de statistiques en plus, quoi. Oui, oui. Ouais, non, ça joue, hein. Normalement, j'avais moins 5% d'XP par niveau, j'ai 705 quand même. Et j'avais moins 10 de portée par niveau et j'ai quand même 191 quoi. Donc c'était quand même un bon run. Un très bon run, je pense. Oui. Hop. On va arrêter l'épisode de VOD là, je pense. S'arrêter sur la fin de ce run. J'espère du coup qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.